Et Patrick m'a dit, tu nous as fait un titre psychanalytique, parce qu'effectivement, vous voyez, pharmacologie des addictions, de la pharmacologie spécifique à la pharmacologie des voies finales communes. Et finalement, le professeur Hermans vous a déjà évoqué une voie finale commune qui est le système dopaminergique et les dimensions. Et vous allez voir finalement que la présentation qui a été faite par Emmanuel Hermans, je dirais, elle prépare très bien celle que je vais vous faire, puisque là, ce sont mes liens d'intérêt. Vous allez voir qu'au final, on a beaucoup raisonné par neurotransmission. Et vous voyez que tous les points qui ont été évoqués ce matin, qui viennent d'être discutés, d'ailleurs, on retrouve, vous voyez, donc, le système alcool avec le système GABA, benzodiazépine GABA, tabac, les récepteurs nicotiniques, etc., etc. Et du coup, en toute logique, on a beaucoup raisonné en fonction, bien entendu, de ces systèmes et de dire finalement comment on va pouvoir interagir avec les produits qui sont utilisés. Alors, évidemment, donc, on retrouve ici toutes les stratégies de réduction des risques. Alors, elles ne sont pas toutes disponibles, hein, comme vous le savez. Je les ai mises en parenthèse. Beaucoup ne sont d'ailleurs même pas acceptées dans certains pays. Certains sont en cours de discussion. Et puis, finalement, on va retrouver, vous voyez, donc, les médicaments agonistes. Et vous voyez, donc, là aussi, ils ne sont pas forcément disponibles de partout. Et ceux où, effectivement, on a aujourd'hui, donc, c'est avec l'alcool. Les benzodiazépines, c'est reconnu, bien entendu. Avec le tabac, ça a été montré. Et, effectivement, donc les opiacés et tout le reste, eh bien, il n'y a rien actuellement, en tout cas en France, qui a une validation avec une indication AMM. Ce qui est très intéressant, évidemment, ces médicaments sont extrêmement utiles, hein, d'où l'intérêt aussi d'avoir d'autres stratégies, comme ça a été dit par Emmanuel Hermans aujourd'hui, c'est la prise en charge pharmacologique est un aspect, bien entendu, parmi d'autres. Et ce qui est très intéressant, c'est que, bien entendu, ces stratégies sont extrêmement efficaces. En effet, si on reprend maintenant finalement le circuit de la récompense et les altérations qui sont mises en jeu lorsqu'on développe une addiction, le circuit de la récompense, il est que là. Vous voyez, c'est le striatum ventral avec le noyau accumbens qui se projette sur l'artère, avec l'artère tegmentale ventrale qui est dopaminergique, qui se projette sur l'accumbens. Et on a effectivement tout d'abord un renforcement positif, une gratification qui fait qu'on y retourne. On y retourne, bien entendu. Il y a les phénomènes d'adaptation qui ont été décrits dans la présentation précédente. Ça devient une habitude. On en perd le contrôle. Et ensuite, on va développer une deuxième voie finale commune, qui est le stress. Car effectivement, l'addiction est une maladie chronique avec un état de stress chronique. Et si au départ, vous avez consommé pour une raison, les consommations vont ensuite se poursuivre pour une autre raison, notamment pour des phénomènes de sevrage qui ont été décrits. Alors, évidemment, les soins psychologiques, les soins psychosociaux sont extrêmement importants et évidemment, on voit ici, dans ces altérations, toutes les cibles nécessaires sur lesquelles on va intervenir. Vous voyez, donc, la gestion du stress, des émotions, le travail motivationnel, les routines comportementales, bien entendu. Mais évidemment, si vous avez des phénomènes de sevrage beaucoup trop importants, vous n'y arriverez pas sans un agoniste. Un agoniste GABAergique pour l'alcool, un agoniste opioïdergique, bien entendu, pour l'héroïne ou d'autres opiacés. Après, bien entendu, il y a d'autres stratégies aujourd'hui très intéressantes qui sont nécessaires, d'autant plus, bien entendu, que le patient a une addiction sévère. Et là, on va voir qu'on va se déplacer vers d'autres approches. Alors, ça a été évoqué par Emmanuel Hermans. Il a évoqué l'adaptation physique, mais l'adaptation psychique, le craving, on va le voir, on va en faire partie. Et bien entendu, les vulnérabilités qui ont été évoquées, qui doivent être prises en compte, car nous le savons, lorsqu'elles ne sont pas prises en compte, c'est un facteur de rechute. Alors, du coup, vous voyez, donc, on retrouve notre tableau avec effectivement la stratégie des agonistes, mais et les addictions sans produit ? Nous n'avons pas d'agonistes. Quelle est d'ailleurs la neurotransmission qui sous-tend les addictions sans produit ? Là aussi, vous voyez que c'est quelque chose donc plus complexe. Et ce qui est très intéressant, quelle que soit l'addiction, c'est toujours le même scénario. Effectivement, vous allez partir d'un usage qui va devenir un trouble de l'usage, un usage problématique. Et si au départ, là on retrouve, voyez, donc le registre des émotions, le registre de la motivation, le système motivationnel, et le système passage à l'acte, hein, le registre actionnel, si au départ, effectivement, on n'est pas maso, hein, on va d'abord se faire plutôt plaisir, hein, donc qui fait qu'on a envie de consommer, mais ensuite, au fur et à mesure qu'il va y avoir les adaptations qui viennent d'être décrites par Emmanuel Hermans, ou en une tentative de maintien de l'homéostasie qui va devenir une allostasie et même une surcharge allostatique. Au final, voyez, donc, le patient va être finalement dans un état de mal-être de plus en plus important, un état dysphorique qui est sous-tendu par différentes altérations neurotransmission.
Et si au départ, eh bien, voyez, donc il aimait consommer, ensuite il en a surtout besoin. Et voyez, s'il était sur un registre plutôt impulsif, il est ensuite sur un registre plutôt compulsif. Et quand il dit « ça me permet d'être bien », en fait, c'est surtout être moins mal. Le être bien ici n'a plus rien à voir avec l'être bien des premiers usages. L'individu s'est complètement modifié, et ça, vous pouvez le copier-coller, quelles que soient les addictions. Alors ça, c'est quand même intéressant, parce que vous voyez, finalement, donc, tout ça est sous-tendu par cette altération des différentes régions cérébrales qui sous-tendent les grandes fonctions, le cortex préfrontal, tout ce qui est les décisions, les fonctions exécutives, les choix, le contrôle du comportement, le striatum ventral, qui est le circuit de la récompense et de la motivation, les émotions positives, et puis au contraire, vous voyez, donc l'amygdale étendue qui va, elle, devenir de plus en plus large, c'est plutôt le stress, l'état de stress chronique, et bien le striatum dorsal, selon les routines comportementales, vous voyez que le système motivationnel est détourné au profit du produit, avec notamment ce phénomène de craving. Et si là, le contrôle était adapté, ici, il est complètement altéré. Et ce qui fait que votre cerveau, ici, vous avez un cerveau normal qui a le contrôle, qui, tous les passages à l'acte sont motivés. Lorsqu'on développe une addiction, on fonctionne sur un mode automatique, piloté par des émotions négatives. Et ça, quelle que soit l'addiction. Alors ça, c'est intéressant. Ce qui veut dire que, voyez, comme ça a été montré par Emmanuel Herrmann, si vous avez bien au départ des différents produits avec différentes pharmacologies, avec différents mécanismes qui vont activer le système de la récompense, tout passe au départ par le système de la récompense, tout. Et effectivement, on voit bien que tout ce qui est psychostimulant, comme les amphétamines, cocaïne, ça stimule très fortement, vous voyez, des élévations très importantes. Par contre, l'alcool, l'héroïne, ça stimule beaucoup moins bien. Mais l'autre voie finale commune, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des modifications, ça a été montré donc par Emmanuel Herrmann juste avant, vous voyez la diminution des récepteurs dopaminergiques, un état d'hypodopaminergie, des altérations du contrôle préfrontal, et regardez ce qui est très intéressant, quels que soient les produits ici, y compris donc pour le cannabis, eh bien, lorsqu'on est en phase de sevrage, eh bien, vous avez une réponse de type, un phénotype type anxieux, avec une augmentation des systèmes du stress, l'augmentation du CRF, quel que soit le produit. Et voyez, quelle que soit l'addiction, si au départ vous consommez plutôt donc, pour vous faire plaisir, entre guillemets, il y a un renforcement positif, je consomme parce que j'aime, ça me fait du bien. Ensuite, avec toutes les altérations qui sont mises en place, les adaptations, je vais ensuite consommer pour être moins mal. Ça rejoint ce qu'on a montré tout à l'heure, et bien entendu avec un renforcement encore plus important. Nous sommes passés du liking au wanting. Et là aussi, c'est vrai, quelles que soient les addictions, et là aussi, quand on regarde finalement ce craving, il est fluctuant au cours de la journée. Si j'interroge dans cette salle pour les différents produits, vous allez voir que tous les patients vont vous décrire des cravings qui prédominent en fin de journée. Et ça, quel que soit le produit. Donc c'est ça qui est très intéressant. Vous voyez, encore une fois, quelle que soit l'addiction, quelle que soit la pharmacologie initiale, on a toujours finalement le même phénotype, ce que je vous ai marqué ici, un même syndrome. En effet, les conduites addictives, on peut les résumer par les 4 C. La perte du contrôle, le craving, les compulsions, les conséquences. Actuellement, vous voyez, on commence à rentrer progressivement en période d'hiver, il faut se faire vacciner contre la grippe, hein, attention. Eh bien, vous voyez, le syndrome grippal, c'est fièvre, toux et myalgie. Eh bien, en fait, il peut y avoir différentes causes sous-jacentes, hein, le virus de la grippe, mais plein d'autres virus, et alors on donne des traitements génériques. Eh bien, les conduites addictives, on peut les résumer de manière très simple par ces fameux 4 C, qui résume les conduites addictives, et en fait, il peut y avoir plein de causes sous-jacentes, vous voyez, il peut y avoir plein de produits différents qui peuvent les induire. Alors, les traitements génériques, c'est ça, aujourd'hui, sevrage aigu ou progressif, la substitution, le soin psychosocial. Alors, vous vous en tirez très bien pour la plupart des patients, mais dès que c'est un peu plus compliqué, là, ça va devenir difficile. Et effectivement, puisque les 4 C ne représentent que la partie émergée de l'iceberg, c'est la conduite addictive classique, et justement, si on veut aller plus loin pour pouvoir aider votre patient, pour le traiter, il faut aller voir tout ce qui est en dessous. Et là, il faut effectivement évaluer toutes les dimensions de fonctionnement de votre patient. Et vous allez retrouver des éléments importants comme l'impulsivité, anxiété, dépression, les troubles du sommeil, ça a été évoqué avec les benzodiazépines, l'alcool, etc. L'environnement, bien entendu, les relations. Et puis rechercher ce qui a été évoqué notamment hier avec Georges Brousse, les pathologies duelles, et c'est là que vous allez pouvoir poser des diagnostics, mais une fois que vous avez un peu nettoyé le terrain, parce qu'au départ tout est mélangé, c'est très compliqué, d'où l'intérêt d'avoir une approche dimensionnelle, Patrick, tu vas voir, c'est facile.
Et effectivement, donc, cette approche dimensionnelle, fonctionnelle, et finalement, donc, qui va vous permettre de vous intéresser beaucoup plus spécifiquement à votre patient et surtout comment il fonctionne. Et effectivement, quand vous regardez là, on était donc très produit jusqu'à maintenant, ça marchait bien. Et bien là, on rajoute une couche, cette fois-ci très clinique, la dimension clinique, le craving. Et ce qui est très intéressant, regardez, on retrouve effectivement sur craving différents médicaments. Je ne les ai pas tous mis, hein, parce qu'autrement, la diapo aurait été trop chargée. Mais regardez ce qui est très intéressant. À différentes pharmacologies, on retrouve plein de médicaments identiques. Ça aussi, c'est intéressant. Vous voyez que là aussi, on sort de la spécificité du produit, mais plus des altérations de voie finale commune qui impliquent les mêmes systèmes de neurotransmission. Et on a évoqué, vous voyez, un ensemble de médicaments, hein, par exemple, qui agissent sur le système donc, opioïdergique, donc naltrexone, nalmefène, et qu'on va retrouver, vous voyez, y compris dans les addictions sans produit. Vous allez retrouver le baclofène, par exemple, agoniste GABA-B dans l'alcool, mais qui a été testé, vous voyez, donc dans plein d'autres endroits, y compris dans les psychostimulants et y compris dans les troubles du comportement alimentaire. Vous allez retrouver, ça a été évoqué par Patrick Martin, les IRS. Et regardez, pour le glutamate, le N-acétylcystéine, qui a été testé effectivement dans l'alcool, tabac, cannabis aussi, mais bien entendu les psychostimulants. Et puis, c'est testé encore dans d'autres produits. Donc, le N-acétylcystéine qui agit effectivement sur les transporteurs et qui modulerait justement la transmission glutamatergique. Donc, vous voyez que ça devient très, très intéressant. Et si maintenant, on rajoute la dernière couche, finalement, qui est commune à l'ensemble de toutes les conduites addictives, et c'est ça qui est très intéressant, on part de plus en plus loin, on a une vision donc beaucoup plus globale de l'individu, c'est les différentes comorbidités, bien entendu, les différentes dimensions, parce que quand on a du mal à comprendre exactement quel est le trouble psychiatrique, moi je ne suis pas psychiatre, hein, et pourtant je fonctionne en dimension, eh bien je vais effectivement donc évaluer le patient selon les dimensions et traiter selon les dimensions, et après, une fois qu'on y voit un peu plus clair, on peut poser un diagnostic psychiatrique. Alors, évidemment, donc, sans les médicaments agonistes, encore une fois, on n'aurait pas pu faire tout ça. Il est évident que c'est vraiment, vous voyez, donc, la croisée des chemins. Les médicaments agonistes sont extrêmement puissants, et notamment, je pense à des médicaments qui, comme les benzodiazépines pour l'alcool, qui ont vraiment clairement permis de diminuer de manière drastique le nombre de sevrages, y compris hospitaliers, qui se passaient mal. Et il y en a toujours encore qui se passent, mais y compris en ambulatoire, bien entendu. Donc, des médicaments extrêmement efficaces ont réduit de manière massive les déliriums très minces, c'est la mortalité associée, et puis bien entendu les traitements, donc les agonistes opioïdergiques à longue durée d'action pour les addictions, les troubles d'usage aux opiacés et opioïdes avec la buprenorphine, la méthadone. Alors, du coup, vous voyez, raisonner en dimensionnel, ça veut dire raisonner dans l'autre sens. On a appris, on est formaté, effectivement, de manière très scolaire à apprendre les pathologies et à les lire de cette façon. Hein, donc, on lit comme ça, la dépression majeure, c'est ça, 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 il y a tout ça. Et pareil, pour les troubles anxieux, avec le trouble obsessionnel, le syndrome post-traumatique, le trouble panique, le trouble anxieux généralisé. Eh bien, moi, je vous demande de lire dans l'autre sens. Comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est de la lecture dimensionnelle. Et ça, finalement, ça vous permet de prendre en charge votre patient, quelle que soit la pathologie sous-jacente. Alors, en pratique, effectivement, on peut tout déconstruire. L'intérêt de l'approche dimensionnelle, c'est que vous pouvez déconstruire toutes les pathologies. Et vous voyez que toutes les pathologies psychiatriques peuvent être déconstruites selon des choses très simples, le contrôle cognitif, l'altération émotionnelle avec les émotions positives, les émotions négatives surtout. Hein, on voit bien que nos patients sont des grands anxieux. Hein. Et c'est d'autant plus compliqué, effectivement, à y voir clair que lorsque vous avez des consommations qui viennent, là aussi, complexifier toute l'image. Et vous savez qu'aujourd'hui, les polyconsommations sont la règle. Donc, vous avez un mélange de tout. Alors, quand on connaît l'histoire avant du patient, qu'on a déjà des éléments, effectivement, ça facilite un peu les choses. Alors, du coup, l'approche dimensionnelle, c'est aujourd'hui, c'est ce qui est proposé, notamment dans le projet RDoC, Research Domain Criteria. Vous avez 5 grands domaines, donc les émotions négatives, pour faire simple, les émotions positives, le système cognitif, le système social, des processus sociaux, et le système de la régulation. Et effectivement, donc, après, il y a d'autres aspects plus de recherche, mais ce qui nous intéresse, nous, en pratique clinique, ce sont ces éléments. Vous voyez, bien entendu, tous les aspects donc, liés à la peur, à l'anxiété, à l'abandon, etc.
le système motivationnel qu'il va falloir réapprendre donc, à travailler. Toutes les approches motivationnelles en addictologie sont essentielles. Et ce qui a été évoqué par Emmanuel Hermance, où effectivement on voit bien qu'au-delà du phénomène de tolérance, il y a des conditionnements comportementaux. Nos patients apprennent effectivement, finalement l'addiction est un apprentissage de stratégies, théoriquement des tentatives d'adaptation, mais qui se terminent mal, hein, en tout cas qui se retrouvent dans une impasse à cause des conséquences associées, parce que s'il n'y a pas de conséquences de l'addiction, on n'en parlerait pas. Et il est évident qu'une des approches thérapeutiques, c'est la gestion des contingences, où on va essayer de rivaliser, effectivement, en apportant à chaque fois que le sujet fait un comportement cible qu'on a décidé ensemble, il y a une récompense. Vous voyez, on essaie d'être en rivalité avec ce que fait effectivement l'addiction. On essaie effectivement donc d'aider le patient à mettre en place des systèmes dans l'autre sens. Et puis, bien entendu, tout le système cognitif, aujourd'hui, on en parle de plus en plus, que finalement, nos patients, par l'atteinte notamment du système préfrontal, une altération de l'attention, de perception, de mémoire de travail, etc., les systèmes sociaux, comme l'a dit effectivement Emmanuel Hermance tout à l'heure, les systèmes originaux sont là pour faire quoi ? Eh bien, pour nous permettre tout simplement de nous adapter, mais surtout pour vivre, survivre. C'est toutes les stratégies de survie de l'individu et de l'espèce. Et donc tout le système des processus sociaux est essentiel, effectivement, sauf que lorsqu'on est sous l'emprise des produits, eh bien, et même au-delà, puisqu'on a des effets qui persistent longtemps, il y a effectivement une altération dans la façon de décoder, bien entendu, donc la relation à l'autre. Et puis, bien entendu, tous les systèmes d'éveil et de sommeil qui sont essentiels, car là aussi, nos patients ont très souvent un mode de vie complètement chaotique et permettent de rétablir là aussi, justement, les rythmes de vie. C'est thérapeutique, hein, ça ne sert à rien de vouloir là aussi faire des choses extraordinaires quand le patient vit dans la rue. C'est pour ça que vous avez des programmes aujourd'hui « Housing First », un chez-soi d'abord. On sait très bien que rien que le fait de mettre un toit sur la tête à un patient permet de stabiliser pas mal de choses et ça permet effectivement de reprendre le contrôle sur les consommations. Alors, voyez donc, rien que le craving. Le craving, vous l'avez compris tout à l'heure, c'est un symptôme transaddiction. Finalement, on peut résumer de manière très simple. Vous voyez, entre le craving et les consommations, bien, tout ça, ce sont des symptômes. Le craving, c'est la composante psychique, obsession. Et puis la consommation, c'est la forme compulsive, c'est le passage à l'acte, c'est l'acte moteur. Obsession, compulsion. Et vous l'avez compris, au départ, donc plutôt impulsif, après compulsif. Et c'est vrai, y compris pour les addictions sans produit. Ce qui est très intéressant, vous voyez que finalement, il y a plein de choses qui vont favoriser ça. On évoquait tous les conditionnements. Il y a plein de motifs et de dimensions qui vont intervenir sur pourquoi l'individu consomme, pourquoi il a envie de consommer, pourquoi il y pense. Et bien entendu, c'est bidirectionnel. Alors tout ça pour montrer qu'à un moment donné, il faut aussi se donner les moyens d'aller chercher l'information, car le patient, il n'est pas forcément en capacité de vous dire « je consomme pour telle raison ». Tout simplement parce que les consommations ont été tellement automatisées que le patient est parfois en difficulté pour donner ces informations. D'où la raison donc, d'avoir des questionnaires extrêmement utiles qui permettent de contourner notamment des éléments d'alexithymie ou d'automatisation des comportements. Nous, à Grenoble, on utilise maintenant depuis plusieurs années donc, ce questionnaire. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, donc, ça permet de manière très simple. Alors, vous voyez, tout de suite, le côté positif, mais surtout, il y avait plein d'items avec des éléments très négatifs, des émotions très négatives, à la fois sur le plan donc, de l'anxiété, les troubles du sommeil, les aspects de l'humeur, et qui montraient finalement qu'il y avait plein de motivations sous-jacentes et qui donnent des pistes extrêmement fortes, bien entendu, pour justement donc, proposer des stratégies à la fois pharmacologiques et non pharmacologiques. Alors, maintenant, vous voyez, je vais vous donner une dimension différente de la pharmacologie qui est en train d'être complètement rénovée. C'est finalement donc la nomenclature basée sur les neurosciences. Pendant très longtemps, on a parlé effectivement, donc la NBN, hein, ce n'est pas une équipe de basket, hein, c'est bien effectivement donc la nouvelle neuropharmacologie. Pendant longtemps, regardez aujourd'hui quand on parle d'antidépresseurs. En fait, un IRS, un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, voire noradrénaline, eh bien, on les utilise comme antidépresseurs, mais aussi ils sont anxiolytiques. Et on peut les utiliser aussi comme traitement de la douleur neuropathique. Donc vous voyez que finalement, ce sont des actions multiples et on n'y comprend plus rien.
l'aripiprazole, qui est un antipsychotique atypique, donc qui est un agoniste partiel des récepteurs dopaminergiques D2, on dit antipsychotique, mais il est à faible dose antidépresseur. Et puis, il va aussi agir sur l'impulsivité, puis il va agir sur d'autres choses, comme antipsychotique. Donc, ce sont des médicaments qui sont finalement avec un spectre d'action beaucoup plus large. Et le médicament initial qui avait été donné, aujourd'hui, il n'est plus tellement adapté. En tout cas, il fausse la compréhension de leur action, à la fois chez les soignants et chez les patients. D'où l'intérêt d'avoir une vision très différente. Et regardez toutes les dimensions que je vous ai décrites ici. On peut, vous voyez, donc là, quelle que soit la pathologie sous-jacente, hein, vous voyez, quelle que soit la pathologie selon la classification catégorielle. Eh bien, on les retrouve tous là. Eh bien, tout ça peut avoir, vous voyez, un substratum avec différentes neurotransmissions. Et regardez ce qui est très intéressant. Eh bien, vous voyez que finalement, donc, le craving, selon les individus, peut être sous-tendu par différentes choses. L'anxiété aussi, différentes neurotransmissions. Par exemple, l'impulsivité aussi. Et puis, l'attention aussi, l'hyperactivité. Et regardez maintenant les médicaments que je vous ai montrés dans le tout premier tableau. Eh bien, on peut tout les réinjecter ici, avec ici les actions donc, principales sur les différentes neurotransmissions qui vont agir finalement donc, sur différentes dimensions. Il est évident que si vous avez quelqu'un qui a une anxiété, si c'est associé à des manifestations plutôt psychotiques, il est évident qu'on ne va pas traiter de la même façon, on ne va pas utiliser le même médicament, on ne va pas aller moduler la même neurotransmission, une anxiété psychotique extrêmement envahissante par rapport à un autre type d'anxiété. Pareil, le trouble de l'attention, s'il est intégré dans le cadre d'un TDAH, eh bien, il est évident qu'on aura plutôt intérêt à utiliser justement du méthylphénidate, alors que si c'est un trouble de l'attention lié à des ruminations anxieuses, vous allez plutôt utiliser un médicament qui va baisser le tonus anxieux. Donc tout ça, effectivement, vous voyez, donc, c'est une approche dimensionnelle très simple qui permet d'évaluer de manière simple finalement votre patient et qui va permettre là aussi d'ajuster donc, le traitement de manière appropriée et dans certains cas, on peut faire des associations. Et regardez ce qui est très intéressant pour là par exemple, pour l'impulsivité, donc, comment moduler différentes impulsivités. Vous voyez que vous avez ici donc, les inhibiteurs de la recapture, donc de la sérotonine, noradrénaline, les antagonistes opioïdergiques, selon effectivement dans la pathologie où on se trouve, les agents glutamatergiques là aussi, et puis les antipsychotiques atypiques que moi j'utilise beaucoup. La aripiprazole, par exemple, marche très très bien hein, donc, dans la gestion de l'impulsivité, notamment dans les troubles de la personnalité, entre autres. Voilà. Donc ici, qui est décrit, et aussi donc le lithium. Donc vous voyez, donc, c'est une autre façon effectivement de prendre en charge donc, les patients, une autre façon de lire leurs altérations cliniques, et vous pouvez exactement faire la même chose. Vous voyez qu'on évoquait tout à l'heure donc, les différentes approches psychothérapiques, on retrouve ici donc, les 5 domaines qu'on vient de décrire tout à l'heure, et bien là aussi, pour des approches non pharmacologiques, il y a aussi une gradation qu'on va pouvoir proposer. Hein, voyez, donc tout d'abord, chez des patients qui sont fortement altérés dans les différents domaines, autant partir des choses très simples, et ça, vous pouvez le faire d'autant plus que vous avez des médicaments agonistes type benzo dans le cadre de l'alcool ou opioïdergique dans le cadre effectivement de l'héroïne et d'autres opiacés, comme méthadone et buprénorphine. Et puis ensuite, vous allez effectivement pouvoir implémenter toutes les stratégies jusqu'à des choses plus sophistiquées lorsque le patient est beaucoup plus apaisé, je dirais, qui est plus dans la capacité de la gestion de ses émotions et d'être dans la capacité aussi de gérer effectivement la relation à l'autre. Alors en résumé, voyez, donc si au départ il y avait donc des raisons particulières d'utiliser quelque chose, un produit, peu importe le produit, voyez, hein, c'est très générique. Il y a ensuite une modification de l'individu, de son fonctionnement, exactement toutes les choses qui ont été dites en première présentation, et ça devient, donc on est dans un trouble de l'usage. Donc l'analyse dimensionnelle va permettre de comprendre comment fonctionne l'individu, qu'est-ce qui fait que l'individu fonctionne de cette façon, et finalement on va pouvoir définir les objectifs du patient qui sont selon ses besoins, ses priorités, qui sont bien entendu subjectifs et évolutifs. L'objectif c'est proposer un parcours de soins personnalisé avec des stratégies donc qui sont évolutives, stratégies d'abord avec l'objet d'addiction et ensuite sans l'objet d'addiction. On peut toujours consommer, mais de manière non problématique. Hein, ça ne veut pas dire l'abstinence à tout prix, hein, on est bien d'accord. Et bien entendu, toujours selon donc, un inventaire qui va évaluer bien entendu les fonctions, les besoins et qui permet ensuite d'y associer des approches aussi bien spécifiques, catégorielles, lorsque celles-ci sont possibles. Et toujours avec une vision de réhabilitation de l'individu, lui permettre de restaurer son autonomie fonctionnelle et sa qualité de vie. Ça, c'est l'essentiel. Et en conclusion, vous voyez, donc, c'est donc une approche finalement centrée sur le patient, une approche fonctionnelle avec des objectifs fonctionnels. C'est une approche, vous voyez, qui est très personnelle,
personnalisé, puisque ça nécessite d'évaluer précisément le patient, où on est passé du catégoriel au dimensionnel et réciproquement, on peut y retourner ensuite, bien entendu. Et c'est une méthode non seulement personnalisée, mais finalement très globale, c'est donc une approche très holistique et évolutive et applicable à toutes les addictions. Je vous remercie. Merci Maurice d'avoir donné une autre dimension à la pharmacologie. Et je crois qu'on peut dire que c'est vraiment la prise en compte de la pharmacologie dans l'aide à la décision thérapeutique. Vous avez quelques questions chaudes, brûlantes ? Ils sont complètement... C'était trop clair, c'était trop bien. Madame. Bonjour, Florence Vorspan, je travaille à l'hôpital Fernand-Vidal à Paris, on se connaît bien avec Maurice, et du coup je voulais te soumettre une question qui est un peu une réflexion, et qui est un petit peu le problème éthique que rencontre un certain nombre de cliniciens, c'est qu'effectivement notre pharmacologie, elle date... d'il y a quelques années ou quelques dizaines d'années avec de l'industrie qui finançait des études dans une indication précise. Et donc, on avait des antidépresseurs pour des patients déprimés, des anxiolytiques ou des traitements validés dans un certain type d'anxiété avec des schémas thérapeutiques validés contre placebo. Et on pouvait les donner en confiance à nos patients parce qu'on sait que ça marche et que le rapport bénéfice-risque est positif. Et donc, dans la pharmacologie vers laquelle on va, on est plutôt sur des approches dimensionnelles, donc on va viser des symptômes, mais on n'a pas les études. C'est-à-dire qu'on n'a plus que notre expérience de clinicien pour se dire, finalement, ben voilà, moi j'ai l'impression comme clinicien que ben, l'aripiprazole, oui, ça marche très bien pour contrôler l'impulsivité ou le craving des patients cocaïnomanes, mais les études, ou d'ailleurs la seule étude à ma connaissance qui évalue cette molécule dans la prise en charge des patients cocaïnomanes, elle est négative, il y a peu de réplication. Donc on se retrouve à faire un peu de la médecine, j'allais dire, à l'ancienne. Donc on a un peu l'art du prescripteur qui se dit, ben voilà, mon impression clinique, c'est que ça marche plutôt mieux que ça pour tel type de patient. Mais les études basées sur les RDoC, où on va évaluer l'efficacité d'un médicament sur une dimension pour des patients qui auraient par exemple plusieurs diagnostics, eh ben on ne les a pas. Oui, alors, effectivement, ce commentaire est extrêmement important. Tu résumes, je veux dire, la situation actuelle où, effectivement, on va plus finalement prescrire sur sa propre expertise, puisque, comme tu l'as dit, les études ne sont pas là ou, lorsqu'elles sont là, elles ne sont pas très aidantes. Une des raisons pour lesquelles elles ne le sont pas, c'est que, effectivement, lorsque les patients ont été inclus dans les études, ben, on voit bien que c'était à ce niveau de l'inclusion, c'est-à-dire qu'ils avaient la conduite addictive qui intéressait. Mais derrière, il y a plein de sous-groupes, en fait, vraisemblablement. Il y a plein de phénotypes différents, donc de patients. C'est bien connu, par exemple, chez les consommateurs de psychostimulants, notamment de cocaïne, on va retrouver, selon la littérature, 30% de TDAH. Donc là aussi, effectivement, si on n'a pas ensuite établi des sous-groupes, il est évident que la stratégie ne sera pas la même. Chez ces patients, il serait peut-être plus pertinent, finalement, de donner du méthylphénidate que de l'aripiprazole, par exemple. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les études, et c'est vrai pour les études d'alcool, ou dans l'alcool, finalement, c'est un fourre-tout. On a différents types de patients sous-jacents. On a dit une conduite addictive, mais qui est sous-tendue par différents types de fonctionnement. Et donc, forcément, le traitement générique ne va pas forcément donc correspondre à tous les patients. Et ça, c'est un souci. Et on est au début, je dirais, de quelque chose. Et donc, du coup, on fait des prescriptions hors MM, absolument. Oui, je crois qu'on peut ajouter un commentaire que la problématique, elle se trouve aussi dans l'approche dimensionnelle, dans une dynamique où on peut être hors MM dans l'association des molécules. À l'école de la Salpêtrière dans les années 80, avec Daniel Widocher en psychiatrie et Pierre Simon en pharmacologie, préconisait donc chez les déprimés qui avaient une démarche de traitement par les antidépresseurs classiques, une approche dimensionnelle quand ils présentaient une symptomatologie anhédonique, en disant qu'en fait, il faut associer un antidépresseur, quel qu'il soit, enfin à l'époque il n'y avait pas tant que ça, une molécule agoniste dopaminergique par exemple. Mais on n'avait pas de molécule agoniste dopaminergique qui était dans cette indication-là. Et pour aller dans le sens de la
voie finale commune dopaminergique où il y a des tonnes d'études qui ont été faites dans la cocaïne avec effectivement plein de molécules agissant sur le système dopaminergique. Et pour l'instant, on n'a pas d'études qui soient vraiment transcendantes, sauf éventuellement avec la évopalmitine ou certaines amphétamines, certaines études, où ça marche très bien quand on est en phase laboratoire, mais dès qu'on passe en phase vie réelle, là, ça ne marche plus très bien.